Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo avant le grand retour du Progrès Niederkorn dans Football Manager 2021. Aujourd'hui, une vidéo, c'est pour vous. Vous pouvez devenir joueur du Progrès Niederkorn. Comment cela? Je vais tout vous expliquer. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Je vous répondrai. Et les joueurs Nugents abonnés vous répondront. Comment cela? Qu'est-ce que c'est? On va voir ça tout de suite. Avant cela, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez suivre le club, il n'y a pas de spectateurs en ce moment dans le stade, mais ils sont abonnés. Là aussi, il y a des spectateurs et ils s'abonnent. N'hésitez surtout pas. Petite explication, elle arrive, c'est tout de suite. Voici mon effectif du Progrès Niederkorn et il y a des joueurs. En gras. Qui sont-ils? Qu'ont-ils fait là? Vous ne les connaissez pas. Ils sont 7. Comment sont-ils arrivés là? Retour en arrière. Sur Football Manager 2020, ils ont réussi à devenir Nugents de mon équipe. Comment faire si vous voulez être Nugents? La réponse, c'est simple. Il y aura un classement. Quel sera le classement? Quel sera ce barème? C'est le suivant. Vous commentez une vidéo, vous avez un point. Commentaire pertinent, c'est-à-dire des explications sur la vidéo, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Vous pouvez m'aider à trouver un joueur, vous pouvez m'aider à faire une tactique. Donc, commentaire pertinent, ça sera un point. Qu'est-ce qu'un commentaire non pertinent? C'est celui qui arrive, qui dit first, premier, bonne vidéo. Moi j'aime bien tous les commentaires. Et moi personnellement, pour m'améliorer, pour aider le club, ça m'importe moins qu'un commentaire pertinent. Donc ça sera un point ou un demi. Ensuite, il y aura des premières. Donc première, c'est quoi? C'est les vidéos qu'on regarde ensemble avec un chat. Donc ceux qui assistent à la première auront un point de plus. En plus de ça, vous avez, je pose des questions. Par exemple, pouvez-vous me dire quel joueur je peux prendre? Élisez l'homme du match. Des choses comme ça. Vous avez encore un point. Donc à chaque commentaire, à chaque vidéo, vous pouvez prendre 3 points maximum. Ensuite, pour ceux qui ont Twitter, donc ils seront un peu avantagés. Donc ceux qui n'ont pas, sont pas forcément très désavantagés, mais ça également, ça peut faire la différence. Ceux qui sont abonnés à mon compte Twitter auront 2 points en plus une seule fois. Et ceux qui retweetent mes vidéos, donc le jour de la sortie, j'envoie mes vidéos sur Twitter, donc je fais une annonce. Ceux qui retweetent ma vidéo auront également un demi-point en plus. Ça apporte quoi tout ça? Ça apporte un classement. À chaque mois, il y aura un joueur, un abonné qui aura son Nugent. À la fin de quoi? À la fin, à peu près au mois de mars, les abonnés, les Nugents sortiront. Et au classement général, ceux qui auront des points, donc aux 5, 6 premières places, ça dépend des Nugents, minimum 6, je pense, ils auront leurs Nugents dans mon équipe. Donc, petite explication pour le mensuel, vous n'aurez qu'un Nugents maximum chaque année. Si à égalité, ceux qui ont commenté plus rapidement mes vidéos auront un avantage par rapport aux autres. Donc un seul Nugents par saison. Donc, par exemple, là, ils sont 7 à avoir leur Nugents. Ils peuvent avoir pour l'année 2021 dans Football Manager, pour 2022, pour 2023. Donc, car ma saison elle va être longue, ma carrière va être longue. La différence entre mensuel et annuel, je vous prends un exemple tout bête, c'est comme en Ligue 1, on va dire que un petit club gagne la Coupe de France, ils sont 12e, ils vont en Europa League, mais ils sont moins bien classés que par exemple Paris qui est premier. Donc ce club, cette personne, même si elle est 12e en général, aura quand même son classement, son Nugent, si la personne a réussi à être première lors d'un mois. Par contre, on prend l'exemple de Paris en Ligue 1,
Si par exemple Paris gagne la Ligue des Champions et la Coupe de France, il n'y a pas deux fois Paris. Il n'y a pas Paris qui va en Europa League et en Ligue des Champions. Donc c'est le club suivant qui sera qualifié. Là, c'est pareil. Si par exemple tous les mois il y a le même abonné, ça sera le deuxième, troisième qui auront leur Nuggets. Pour avoir un ordre d'idée, donc pourquoi faire ça? Je fais ma carrière pour proposer la carrière, pour que vous puissiez m'aider à la carrière. Je suis bénévole, je suis amateur, donc je ne peux rien vous offrir. Ce sera ça, mon petit cadeau, de pouvoir vous intégrer, ceux qui me suivaient, donc dans ma carrière au niveau de cette année. Le classement mensuel, on va donner un petit exemple. Là, la vidéo est tournée le 26 novembre. J'espère que vous voyez assez bien, sinon. Au 26 novembre, voici les 17 premiers. Donc ceux en gris, c'est ceux qui n'ont pas forcément accepté ou qui ne veulent pas pour l'instant, ils peuvent changer d'avis. Au 26 novembre, pour l'instant, le premier, c'est Coralie. Elle ne veut pas forcément le faire. Donc ça serait, au mois de novembre pour l'instant, il reste encore 4 jours, qu'une Jeremia qui aurait sur son Nugent pour l'année 2021. Mais derrière, attention, les autres peuvent prendre plus de points, ces classements provisoire au 26 novembre. Donc si qu'une Jeremia reste premier, il aura sur un Nugent pour l'année prochaine. Par contre, les autres, il y en a 6 ou 7, donc les autres en bleu sont bien classés, mais faites attention, les autres mois peuvent également aller rapidement et également avoir gagné un Nugent. Avant de vous expliquer comment vous vous abonnez, vous pouvez choisir votre joueur. Donnant la parole à ces Nugents abonnés, avez-vous aimé cette idée? Vous pouvez également écrire dans les commentaires si vous avez aimé cette idée. Avant, on va un peu discuter avec certains Nugents abonnés. Voici leur réaction quand on leur a posé la question. Queen Jeremiah, merci pour ce challenge et cette possibilité. C'est très sympa comme idée. Je vais essayer de faire le maximum pour gagner des points, mais c'est très chaud d'être présent sur les premières. C'est pas grave, tu as vu, pour l'instant, tu es quand même premier. Félicitations Gabi pour ton doublé. Merci de nous avoir fait jouer le dernier match. De quel match on parle? On va voir ça juste après. Très heureux d'avoir marqué de la tête malgré mon 8 sur 20, mais quand même 17 de détente verticale. Incroyable. Nugent de projection virtuelle. Mais quelle frappe. On va voir ce dernier match tout à l'heure. Pineapple, bien sûr, je m'inscris pour être un futur joueur du progrès. Titi Taka, ça va être cool le système de Nugent. Mais si Nugent est défensif et moi je veux un attaquant, comment ça se passe? On va voir ça aussi dans quelques instants. Kun Jeremy a vraiment aimé. Regardez, tout d'abord, encore merci de nous intégrer dans la partie. Ça fait super plaisir. Ça donne envie de faire la même chose sur les prochaines parties. Et le dernier commentaire de Kun Jeremy en bien. On montre, enfin, concernant mes entraînements additionnels, tu peux mettre en placement défensif. C'est quoi? De quoi il parle? Voyons de quoi il parle. Mais avant, si vous êtes premier, deuxième ou troisième, comment choisir votre joueur? Quand les joueurs sortiront, je vous donnerai les 7-8 meilleurs par ordre de potentiel. Par exemple, la dernière fois, les 4 premiers étaient ceux-là. Un milieu de défensif, 3 étoiles, leader, potentiel meilleur milieu, deuxième gardien, 2,5 sans ambition, potentiel deuxième gardien, troisième buteur renard des surfaces, 2 étoiles, faible détermination, potentiel niveau rabasse. Quatrième milieu, Carrilero, 1,5 étoile, bon tireur de coup franc, potentiel comme Silas. Et c'est un système de draft. Alors qu'est-ce qu'une draft? Les meilleurs classements choisissent le joueur qu'ils veulent. On parlait tout à l'heure, par exemple, la dernière fois, projection virtuelle était premier, il a pu choisir le joueur numéro 1. Certains ne voulaient pas de gardien. Mathieu Grey Fox a choisi, il a eu. Tiki Taka, comme on a vu tout à l'heure, voulait un milieu. Il ne voulait pas un milieu défensif, ni un défenseur, il veut un attaquant. Étant deuxième, il a pu choisir le numéro 3. Comment on fait pour choisir? Comment on choisit ces joueurs? C'est simple, dans les commentaires, exemple la dernière fois. Projection virtuelle, je prends le choix numéro 1.
Zapowing, super vidéo encore, je prends le choix numéro 1. Mais bon, comme il est déjà pris par le premier, j'aime bien aussi le 4 et le 5, le 4 lui est revenu. Mathieu B, j'aime bien le 7-1-5, c'est bien compris le truc, tu as bien compris. Moi j'aime bien le 5 et le 7, Pascal Bourbier. Etc, etc. Vous choisissez comme ça. Donc la prochaine fois, je vous mettrai le classement juste avant et vous pourrez choisir. Et qu'est-ce que là vous apporte? On va revoir ensemble ce qui s'est passé dans la dernière journée sur Football Manager 2020. Revenons un peu en arrière. Nous sommes revenus un peu en arrière. Nous sommes... Je ne trouve plus la date maintenant. Bon, il n'y a pas la date. Nous sommes en mai 2020 dans le jeu. Football Manager 2020. Dernière journée de championnat. Je suis champion. J'ai fait le doublé grâce à vous. Regardez la composition d'équipe, Grey Fox, Queen Jeremia, Projection, Wing, Bourbier et Atier étaient là. En demi-temps, Pineapple est rentré. Vous voulez voir ce qu'on fait nos New Gens? Ce que vous pouvez faire dans la nouvelle partie? Allez, voyons ensemble le résumé du match. Ou plutôt, les buts, les sacrés buts du match. Je vous rappelle juste que les commentaires sont d'époque. Revenons au match. Corner de Wing, et c'est tête de Queen Jeremia, ouverture du score, corner de Wing, et but de Queen Jeremia, 11e minute de jeu, ouverture du score pour le progrès Niederkorn, ce sont nos deux New Gens qui marquent et qui passent. Attention, 42e minute, Wing au corner, attention ça peut aller vite, carrière est montée, c'est repousser le poteau, et c'est projection. Projection qui tacle le ballon et qui marque corner de Wing et but de Projection qui joue également son premier match avec les pros. 2-0 au bout de 42 minutes. 55e minute, Bourbier à 20 mètres. Ferrino va frapper peut-être, passe en retrait pour qui? Projection, il tente sa chance! Et frappe incroyable de Projection! On va revoir. Revoyons cette frappe. Incroyable frappe de projection, projection virtuelle que vous connaissez en tant que chaîne YouTube, mais là, quelle frappe! Ferrino qui passe et la frappe, elle est terrible. Incroyable but transversal rentrante. Incroyable, 3-0, 3 buts de nos New Gens, 2 passes décisives. Les New Gens ont marqué, mais ils ont aussi pris quelques buts, mais un seul heureusement. Attention, Romaric récupère long ballon. C'est contré. Coimbra, attention. Qui va frapper. Oh, poteau rentrant. Grey Fox n'a rien pu faire. But pour Mondorf. 3 buts à 1. Ils étaient là. Projection, Wing, Queen Jeremia, Bourbier et Atier. Et la rentrée de... Je ne trouve plus. De Pineapple. Mais vous pouvez également aider vos joueurs. Comment faire? Revenons en arrière. Un exemple, Victorien Projection, je lui demande quel entraînement il voulait, le meilleur récupérateur, passe, double intensité, bon, la saison est finie donc on ne peut pas lui mettre, mais voilà, vous pouvez comme ça me demander ce que vous voulez au niveau additionnel, au changement de poste. Donc là, ils l'ont changé automatiquement, c'est là que je voulais, voilà, petit changement technique,
Ils ont changé le. Donc voilà, sinon, meilleur récupérateur défense, passe, intensité double. Vous pouvez comme ça dans les commentaires dire, tiens, je veux essayer de faire évoluer mon joueur. On aura également d'autres options à faire. Donc la seule chose que je vous dis, c'est que les attributs techniques, mentaux et physiques ne changeront pas. Pouvez par exemple me demander, là je l'ai fait moi-même, de faire une caractéristique du joueur. Là, se jette pour tacler. Si vous ne voulez pas, j'annule. Là, la saison est finie, mais je peux faire autre chose à la place. Donc n'hésitez pas, ce que vous voulez. Pour vos futurs joueurs, si bien sûr vous avez la New Gens. En tout cas, j'essaierai de prendre le plus d'abonnés possible, que ce soit abonnés plus longtemps ou nouveaux abonnés. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour les anciens abonnés, continuez de nous soutenir. Pour les nouveaux également, vous aurez peut-être aussi la chance, comme par exemple Victorien Projection Virtuelle, d'avoir un joueur dans ma partie. Je vous laisse donc l'affiche de Victorien Projection pour finir. N'hésitez pas, commentez, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. Et on se retrouve demain pour la présentation des équipes, notamment pas de l'équipe, pardon, de mon équipe, je veux dire projection virtuelle, pour mon équipe, à force d'être dans le jeu de président-manager, je m'y perds un peu, de mon équipe de progrès Niederkorn. Vous connaîtrez les joueurs, l'équipe, quels sont les postes à pourvoir, et aussi n'hésitez pas à m'aider à trouver des joueurs pour cette nouvelle saison. Je vous attends dans les commentaires, je vous attends pour essayer d'être à New Gens. N'oubliez pas la chose la plus importante, le principal, c'est pas l'entraîneur, c'est vous la star, c'est vous les abonnés, donc aidez-moi, et peut-être serez-vous la future star du progrès. Merci de m'avoir écouté, le like, le partage, plus on peut s'amuser. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et le début de la carrière dans Football Manager 2021. Bye bye, bonne soirée.